Éditrice chez Talent Haut. Donc, Talent Haut, c'est une maison d'édition de littérature de jeunesse indépendante qui a été créée en 2005, donc il y a 13 ans d'existence et qui depuis 13 ans a pour objectif de bousculer les idées reçues en luttant contre les discriminations et notamment le sexisme auquel nous sommes très attentifs dans toutes nos publications. Alors le premier album qui a été publié chez Talent Haut, c'est aussi toujours notre best-seller, c'est La Princesse et le Dragon. Donc La Princesse et le Dragon, c'est un album qui a été publié il y a plusieurs années au Canada, il y a même une bonne trentaine d'années au Canada, dans lequel la princesse en fait va secourir le prince qui a été enlevé par le dragon et à la fin ils ne se marièrent pas, la princesse part vivre sa vie parce que le prince est un gros nul. Donc là on a déjà toute la trame de l'histoire de Talent Haut en fait qui est contenue dans cet album. Et puis après on a continué à porter ce message dans toutes nos publications, dans nos albums et notamment dans les plus militants, notamment la Déclaration des droits des filles et la Déclaration des droits des garçons, qui ensuite ont été rejoints par la Déclaration des droits des papas et la Déclaration des droits des mamans, qui sont des albums qui ont été écrits par Elisabeth Brami et illustrés par Estelle Billon-Spagnol. Donc l'une comme l'autre, c'est des autrices et illustratrices avec qui on travaille toujours, avec qui on travaille de façon récurrente en fait, et qui sont assez emblématiques de ce qu'on veut faire et de ce vers quoi on veut aller. Donc ça c'est pour ce qui concerne surtout les albums. Et en roman, en fait, on est venu assez tardivement au roman pour ados, ça fait que 5 ans qu'on fait des romans pour ados, et c'est né en fait d'un texte, comme souvent, qui nous a été envoyé par Jovitech. À l'époque c'était un recueil de nouvelles, elle nous envoyait un recueil de 10 nouvelles, et nous on faisait pas de nouvelles, on faisait pas d'ados, donc voilà. Sauf qu'on les a lues, et parmi ces nouvelles, il y en avait une qui était vraiment très intéressante. On en a discuté avec elle et puis on lui a demandé si elle pouvait en faire un roman et c'est devenu Mauvaise Connexion. Donc, Mauvaise Connexion, c'est le premier roman de la collection Ego, des romans à la première personne pour les plus de 13 ans. Et à partir de ce roman est née en fait la collection et ça reste encore aujourd'hui le best-seller de nos romans ados. Voilà, qui est assez emblématique. Et Jo, c'est pareil, c'est une autrice avec laquelle on continue à travailler, avec laquelle c'est toujours un plaisir d'avoir de nouveaux projets et de faire des choses ensemble. Donc la collection Ego ressemble aussi à ça, au travail qu'on a fait avec elle. C'est-à-dire que c'est pas un partenariat, mais c'est vraiment un travail d'auteur-éditeur, quoi. C'est une collection qui est née de cette alliance-là et qui continue à s'alimenter comme ça, en fait. La ligne de la maison, qui était au départ très axée sur l'égalité filles-garçons, s'est ouverte en fait au fil du temps, au fil des années. On est allé piocher du côté des autres discriminations, on va dire. Et donc on a eu envie de porter des livres avec des messages autres que l'égalité filles-garçons, même si c'est toujours présent dans nos textes, et donc de s'ouvrir à d'autres sujets. Et notamment, par exemple, l'amitié exclusive, la passion amicale, qui est traitée dans Click et Cloque, donc un album d'Estelle Billon-Spagnol. Je vous disais, c'est une illustratrice avec laquelle on travaille depuis longtemps. On a publié son premier album. Et là, Click et Cloque, elle nous l'a apporté en nous disant un peu que c'était un projet qu'elle avait mûri pendant longtemps et qu'elle aimait vraiment beaucoup. Et puis nous, on est tombés en amour devant ces deux oiseaux qui sont adorables. Et puis qui, au fond, n'étaient pas très loin de notre ligne. C'est aussi apprendre qui on est. C'est un beau message sur l'apprentissage, sur l'amitié, sur le respect des autres aussi, parce que être ami avec quelqu'un, ça veut dire ne pas lui laisser sa liberté, ne pas empiéter sur ce qu'il est, le laisser devenir qui il doit être. Donc c'est un beau message qui est porté par un texte, par un album très, très coloré, qui est très doux et qui est une parfaite réussite, j'ai envie de dire. Et donc ça, c'est pour les albums. Et dans les romans, on a ouvert une collection il y a 2 ans de romans historiques qui s'appelle Les Héroïques. Donc là, encore une fois, on s'éloigne, entre guillemets, de la ligne de base de la maison, mais tout en ayant toujours en tête des valeurs qu'on veut faire passer. Et là, c'est l'idée de donner la voix à des héros de l'histoire qui n'ont pas voix au chapitre de façon générale. Donc c'est les femmes, les enfants, les handicapés, de leur permettre de s'exprimer dans ces romans, de les mettre en lumière. Donc là, c'est une autre approche, puisqu'on a des romans historiques, on part de contextes réels avec des personnages de fiction, mais toujours l'idée de,
de défendre quelque chose. Les livres, c'est jamais neutre, donc voilà, l'idée de porter un message noble, on va dire, et d'égalité, que ce soit sexuelle, mais de façon générale, d'égalité entre les gens, en fait, en montrant qu'il n'y a pas que ceux dont on parle qui ont fait l'histoire.